sommes ici ensemble réunis pour l'inauguration de ces équipements dédiés à notre jeunesse. Ce qu'on appelle, je vais employer un anglicisme, un bike park ou un parcours de maniabilité. Le City Stade et cette aire de jeu. Donc depuis notre élection, il y a 15 ans, nous nous sommes attachés au développement équilibré de cette ville, en faveur de toutes les catégories de notre population. Après avoir agrandi par deux fois la crèche, installé le centre aéré dans le parc de la mairie pour lui donner un caractère plus attrayant pour nos enfants, construit une école maternelle, construit l'antenne du conservatoire communautaire de musique, construit un gymnase, construit deux cours de tennis, rénové le stade et mis en place des tribunes. Ce sont aujourd'hui ces équipements de sport urbain que nous inaugurons, car je le dis tout le temps, et je pense que c'est partagé, nous préférons la jeunesse sur les heures de jeu. Et si nous avons choisi de donner le nom de Christian Prax à cette esplanade de jeu et à ce City Stade, c'est pour souligner, madame, mesdames, c'est pour souligner que ni à Sauviane, ni à Béziers, dans le milieu du rugby, ceux qui l'ont connu et côtoyé n'ont oublié Christian. Je l'avais connu pour ma part très tôt sur les bancs du lycée Henri IV. Un garçon agréable à fréquenter, excellent camarade. Nous nous étions perdus de vue et retrouvés quand je me suis installé dans cette ville en 1980. Et j'ai retrouvé la même personne, simple, au contact facile, modeste, calme et modéré, attentif aux autres et attaché à son village natal, comme il l'a été à son club de toujours. Cet ASB mythique qui a fait rêver des générations de Biterrois et impressionné la France du rugby.